Hey, salut à tous les amis, c'est CraftonRando, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et donc aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de Craft Survie saison 1. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc la dernière fois, on avait fait une petite grotte. Donc on a fait une petite grotte comme ça et on a cuit un petit peu de viande et on a pris du fer aussi, donc c'est super cool. On a super bien commencé, donc il fait toujours pas jour, donc on va continuer tout de suite. Donc merci pour tous vos retours. Donc ils m'ont dit que c'était bien Craft Survie saison 1, donc merci. Et il y en a qui m'ont dit bonne chance pour la survie, merci à vous aussi. Donc voilà, c'est parti, nous allons tout commencer. Donc déjà on va prendre tout notre charbon et on va tout dévaliser en fait. Non, c'est à nous, donc on dévalise pas. Donc on prend tout ça. Voilà. On prend notre magnifique table de craft. On avait vraiment bien commencé, je trouve. Allez, on prend les torches. Ça peut énormément servir. Voilà. Ah oui, par contre, il fait pas jour. Il faudrait qu'on trouve des moutons en fait. C'est ça le problème. Il faudrait qu'on trouve des moutons. Désolé, on va juste remettre des torches au cas où. Donc, il faut qu'on trouve des moutons. Donc, allez, on y va. Normalement, il va bientôt. Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va faire jour. On enlève ça. Pourquoi il y a de la lumière en fait? Ah oui, c'est moi qui. Oh putain. Voilà. On a tué un zombie, donc on a eu le succès. Dans cette série, on va essayer, je dis bien essayer, de débloquer tous les succès de Minecraft. D'accord? Regardez Advancer. Donc on va essayer de tout débloquer. Bon, ça va être assez compliqué, je trouve, hein, parce que l'Under Dragon, voilà, c'est très compliqué l'Under Dragon. Déjà, voilà, un point très négatif. Allez, c'est parti, on va s'aventurer. Bon, je sais pas trop si on va s'aventurer maintenant. Où est la lune dans ce moment là? Ah, ça y est, le jour arrive. Génial. On va essayer de s'aventurer dans la forêt. Pour aller voir s'il y a un village. Oh oh oh. Oh non, c'est de la lave. Je pensais vraiment qu'il y avait un village. Là. Faire attention aux monstres. Faire très attention dans les forêts, c'est plus dense. C'est plus dangereux dans une forêt. Je vois pas de village, ça c'est vraiment triste. Oh oui, oui, un village. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh les amis, là je suis content. Oh, je suis vraiment content là. On a trouvé un village. Super. Non mais là, je peux vous dire que je suis content là. Alors là, super content, vous savez même pas à quel point. Donc on va aller voir s'il y a une forge. S'il n'y a pas de forge, c'est pas si grave. Au moins on a une église, on a deux bibliothèques, on a une cuisine, tout ça, une boucherie. Wow. Et là j'ai vraiment pas mal. Moi j'adore les villages de sapins, je trouve que c'est vraiment joli. Et tout comme on a une plaine à côté, ben on va faire notre maison sur la plaine tout simplement. Ça va être bien. Pourquoi de la musique est-ce que je sais pas pourquoi, désolé les amis. Alors, donc, ça lag un petit peu, mais bon, ça lag moins qu'avant, je trouve. Hier. Donc, voilà, alors, on n'a pas de fort, donc, comme je l'ai dit, c'est pas si grave que ça. Donc, lui, il est hyper dangereux. Ah! Faut pas que je meure maintenant, faut pas que je meure maintenant. Alors là, non. J'ai trouvé un tellement beau village. Non, merci. Qu'est-ce qu'il vend, lui? Non. Bah, après, tu peux être content. Toi, tu peux te dire quand tu prends dedans. Ouais, comme ça, je vais avoir de l'émeraude. Même si, 8 or, j'avoue. J'avoue, si... s'il y a une... comment dire, une... Ah, un biome Mesa à côté, j'avoue que ça serait hyper pratique. Là, on a une montagne avec plein de
D'accord. Non mais c'est génial, hein. Mais vous êtes sérieux? Alors, je crois qu'il faut traverser la plaine. Normalement, par contre, ça lag. Attends, je vais essayer de casser un bloc. Le bloc, il se casse bien. Ça lag. Vraiment, quoi. Alors, attendez, c'est où? En fait, elle est où, en fait, ma petite maison, là, que j'avais faite? Ma petite maison, entre guillemets, c'est pas vraiment une maison. Attendez, oh! Elle est où, ma petite maison? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On stave. Je suis tellement triste. Oh non, 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 non. Attendez. Ah non, c'est bien ici. Fou, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était pas là. Oh my god. On va laisser ça là, comme ça nous. Si on y retournera, voilà. Donc ça va, donc le village est juste là. Par contre là, j'avoue que ça lag beaucoup. J'avoue que c'est un petit peu abusé. J'espère que ça vous plaît que je joue à des jeux Xbox et des jeux Switch qui va arriver bientôt. Mon capture vidéo sera à Noël, donc c'est vraiment très très bientôt. Ça sera peut-être la semaine prochaine, vers la fin de la semaine prochaine. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Je vois le village. Allez, allez. Putain, mais attendez là. On se calme. Attendez, nous on ferme un putain de programme. Là. Parce que les blocs, ils arrivent à se casser. C'est vraiment chaud. Il y a vraiment différentes sortes de lag en fait. Bon, là, ça marche pas. Ah! Qu'est-ce qui se passe dans ça? Ah, c'est tellement pas agréable de laguer comme ça. Mais non, mais what? Je suis vraiment désolé. Bon, je suis mort où du coup? Où est mon stuff? Où est mon putain de stuff? Ah! Putain! Ah non, désolé les amis. Attendez, je crois que je vais pouvoir quitter un programme. Voilà, c'est bon. Et ça. Après ça c'est pas grave. Ah. Oh là là, la vidéo pourrie, putain. Okay, on va pas récupérer des carottes, d'accord? Oh non, mais je suis vraiment désolé les amis, je peux rien faire. Quoi? Ah! Oh non, désolé les amis. Allez, 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 allez. Le staff, le staff. Putain. S'il te plaît, ne l'a plus. Ça y est, j'ai quitté Discord, donc ça devrait passer. Non, quel tournage de merde. Non, sérieusement. Pas une blague là. Allez. Alors, donc alors. Bah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça lag toujours. Et pourtant les amis, j'ai fermé un programme qui. Assez lourd à mon goût. J'ai un programme qui est assez lourd, donc voilà quoi. À un moment j'ai quitté deux programmes, normalement c'est bon. Là ça lag moins, j'ai rien, ça lag encore plus, peut-être pas plus, mais ça lag toujours. Donc là on va se prendre des carottes, plein de trucs. Là par contre le champ là il est pas prêt. Sérieusement, j'ai que 4 programmes là. J'utilise même une application pour que mon PC, pour que la mémoire vive soit plus haute. Donc, ils savent pas ce que c'est. Enfin,
Voilà. Donc du coup, bah voilà. On va essayer de aménager dans une maison. Moi j'aime bien les... Je vais vous montrer tout de suite. J'aime bien les maisons villageois. Quand il faut que je replante quand même, faut que je sois assez sympa. Parce que si je suis pas sympa, bah, c'est pas très cool pour les villageois quoi. Allez. Voilà. Et ici c'est pareil. Je trouve que les champs de villageois, ils poussent plus que les champs qu'on fait nous-mêmes en fait. Moi j'aime bien les maisons comme ça là devant moi là. Je trouve que j'aime bien. Moi je trouve par rapport à ces maisons là. Alors dans quelle maison on pourrait s'installer? Intéressant. Il y a une maison que je vois là, juste devant moi là. Non. Ici peut-être. Si c'est une bibliothèque. Ah là là là, ici. Ici c'est pour moi le petit coin là. Juste que c'est un petit peu pas terrible. La petite truc. Voilà. Non, j'ai rien à dire, on va pas dans cette maison. Ne inquiétez pas, après on pourra modifier le village un petit peu, on va le rendre vraiment beau quoi. Là, on va boucher un petit peu les trous, on va le rendre vraiment très très beau. Donc on va aménager dans cette maison, je trouve que c'est la meilleure. La Tsakao. Voilà, alors, table de craft. Ouais, par contre le truc qui manque, mais absolument, c'est oui, malheureusement. On va essayer de chercher les moutons. Avec notre petite cisaille. Elle est où la cisaille? Elle est là, la cisaille. Par contre, j'ai pas remis, bien remis mon inventaire, donc je vais bien le remettre. Hop, hop, la viande ici. Les torches là. Voilà. Ouais, bon, pas très bien rangé, mais bon. Donc, où est-ce qu'il y a des moutons quelque part? Dans les taïgas, il y a souvent, très souvent, des chiens. Et quand il y a des loups, quoi, bah, les moutons, ils sont pas là. Mais quand les moutons sont là, bah, c'est qu'il n'y a pas de loups, malheureusement. Et moi, j'aimerais bien des loups. Et j'aimerais bien des moutons aussi. On peut pas avoir les deux en même temps dans une taïga. Bah, tu me diras, on peut en voir se faire tuer. Voilà. Normalement, quand il y a des loups dans une taïga, les moutons ils s'enfuient. Ils veulent pas aller dans la taïga. C'est la technique Minecraft. Non, sérieux là, il y a pas de moutons. C'est une blague. Comment veux-tu que je me fasse de la laine, moi? Oh, j'aurais bien aimé avoir une fourche avec de la laine quand même. Pourquoi on peut pas faire ça avec des plumes? On peut faire un lit en plume, non? Ça se fait, non? On peut faire un coussin en plume. On peut faire un lit en plume. Oh. Il n'y a pas de petits moutons, il n'y a que des poulets en fait. Il n'y a pas de loup, il n'y a pas de mouton, il n'y a que des poulets. C'est génial, vraiment. Et oui, il y en a beaucoup aussi sur les surfaces, dans les montagnes comme ça. On va les voir. J'ai plus de barres. Donc là, elle est chelou la montagne là-bas. On va pas prendre le charbon dans le... On en a déjà. De toute façon, on a du charbon partout maintenant. Non, sérieusement. Il n'y a pas de putain de moutons. Il n'y en a pas. Par contre, la vidéo, l'épisode 2, je trouve qu'elle est nulle. Hein, parce que... Moutons! On n'a rien fait dans cet épisode. On a juste trouvé un village. Oh, regardez ce qu'il y a là-bas. Oh, ils sont magnifiques. Je vais pas les tuer parce que du coup, bah, j'aime pas trop tuer les moutons. Bah. On se fera un petit mouton qui s'appellera la Julie. Ce qui sera bleu foncé. Donc, vous voyez, le genre lapis lazuli, Vous voyez un petit peu bleu foncé, c'est du lapis lazuli. Je pense que vous voyez. Donc voilà. Là. Oh, on a 9 laines. Oh. Je viendrai vous chercher après, ne vous inquiétez pas. Je ferai un enclos
après dans plusieurs épisodes, mais je ferai un enclos avec des moutons, non, en fait tous les enclos en fait, avec tout, peut-être pas des Enderman en enclos non plus. Allez, let's go. On retourne à notre village natal. Ce village, vraiment, on va essayer de le rendre vraiment magnifique. Allez, 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 allez. On va se faire un lit tout de suite. En plus, il y a le jour qui tombe. C'est magnifique. Le jour qui tombe. C'est un peu bizarre comme phrase. Ah, oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est même magnifique, mais très magnifique. D'accord. Donc, on va le poser ici. Ouais, bon. On va mettre la moitié ici et la moitié là, donc 10-10, c'est très bien. On va aller chercher un petit peu de bouffe aussi. Ça, on en aura plein. Ah. Une bonne journée qui nous attend. Donc il est... Non, il est pas 16h17, ça fait 16 minutes 17 qu'on tourne. Donc, on va chercher un petit peu de viande. Comme ces petits poulets, oh. Voilà. C'est magnifique. On va en avoir un petit peu de plumes, comme ça on pourra se faire des petites flèches. Ça sera magnifique. Putain, il y a plein de poulets partout. C'est la taïga des poulets, ce truc. Allez, Moreto. En plus, avec les... ça peut nous beaucoup nous servir les œufs. Je vais en prendre les œufs parce que là, il n'y en a pas le tout. Vous êtes où? Ouais. Allez, un petit poulet. Voilà. Allez, c'est parti. Là, on a attrapé, en fait, 6 poulets. Donc, on va aller cuire ça tout de suite. Hop. Let's go. Allez. Voilà. Par contre, j'ai pas mis mon plastron. C'est hyper important, plastron. Donc, on va se crafter un double coffre. Ça va être magnifique. Je mets pas froid. Voilà. Enfin, j'aurais pu faire ça comme ça. Et là, on met notre double coffre ici. Génialissime. Donc, on va mettre des œufs. On va mettre. Hop, on va mettre ça. On va mettre les portes. On va mettre la cobblestone. Comme ça, on peut les garder. Mettre des graines, on va mettre la white wool. On va mettre... non, ça, on va laisser... et on va mettre... du cuir. Ça va extrêmement servir du cuir. On va laisser là-dedans. Et bah voilà. Génial. Du coup, on a fait un petit peu de trucs. On a trouvé un village. Voilà. Donc ça fait... des 8 minutes qu'on tourne. On peut encore faire plein de trucs. Ah, j'aime pas tuer les cochons parce que je vais avoir un cochon, vous connaissez Fire Jumper. Et bah j'aime bien son animal de compagnie qui s'appelle Ted. Et donc voilà, j'aimerais bien avoir un Ted aussi. On va dire que c'est pas la famille de Ted, voilà. Donc on peut les tuer. La famille de Ted est extrêmement précieuse. Bah, y a Razer qui a sorti une nouvelle vidéo. Hop. Je peux la regarder maintenant, pas en pleine vidéo. Voilà. Et là, on va avoir beaucoup de viande, c'est ça. C'est moi qui te le dis. Génial. Voilà. C'est bon? Allez, on y va. Bon, pendant plein de temps. Ok, je veux pas changer, sinon c'est un gros malaise. Alors, les poulets. On va remettre ici et là on va mettre des cochons. Voilà. Un petit peu de jambon, ça fait du bien d'exploiter. Voilà. Donc du coup, bah la prochaine fois, je pense qu'on va commencer à améliorer le village. Et aussi on va commencer aussi à se faire notre petit terrain.
Et je pense qu'on va faire un rail qui va mener jusqu'à la plaine. Je pense que ça sera vraiment très très sympathique. Vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous connaissez la survie de Steelers, la survie de Steelers en ce moment, de 2019. Et bah 2020 aussi, parce que c'est bientôt 2020. Et bah il a aussi un truc, il a une plaine, il a une taïga avec un village au fond. Il est plus loin le village, et moi il a un océan et moi j'ai pas d'océan. C'est pas vraiment du plagiat que je veux faire, mais j'ai pas envie de faire la même chose que lui. Il a fait un rail aussi pour mener à son village, donc ça serait très sympathique. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a plu. Faire un petit tour comme ça sur notre petit village qu'on vient de trouver dans cette vidéo. Et voilà. Donc on s'est installé quelque part, donc c'est vraiment bien. Qui aurait cru qu'il y avait juste un village à côté de la grotte? Personne. Donc voilà. Donc c'est magnifique. On a trouvé un beau village, je trouve. Donc on va, comme je vous l'ai dit, on va commencer à l'améliorer dans le prochain épisode. Et voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un joyeux petit like et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr à rejoindre la team Discord. On vous attend, donc ça me fera extrêmement plaisir. Les amis, c'était Crafter22 et je vous dis ciao les amis.